طيب حنبدأ إن شاء الله الجلسة بتاعتنا الثانية بعد المحاضرة بتاعت كنتاكا السودانية ونادي مخاطبة اللغة الفرنسية يقدموا لنا أساتذة الجامعات في أقسام اللغة الفرنسية بقيادة الأستاذ حسن عبد الله. تفضل أستاذ. تفضل. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes très ravis de vous rencontrer ce dimanche, le 26 mai, sur le plateau des chercheurs soudanais pour continuer nos débats en français et pour donner nos cours de français aux débutants. Je suis ravi de recevoir, d'accueillir le professeur de français de l'Université islamique d'Omdurman, monsieur Tahir, c'est ça? Je m'appelle Gassim Ahmed Gassim. Je suis soudanais. Très bien. Monsieur Gassim, il vous dit qu'il est soudanais et qu'il est aussi ici pour demander la transition du pouvoir au civil. Sabina. S'ils échouent et s'ils ne chutent pas, on est ici. Sabina. Donc aujourd'hui, nous sommes ici sur le plateau des chercheurs soudanais pour donner juste un aperçu sur la révolution soudanaise et ce qui nous vécons ces jours. Nous savons tous que nous avons beaucoup de problèmes ces jours. Ce qui se concerne la transition du pouvoir entre les forces de la liberté et le conseil militaire de transition mené par M. Fattah al-Burhan et le vice, M. Hemeti. Donc, et tous les deux, ces jours, ils ne sont pas ici au Soudan. Hemeti est parti en Saoudite Arabie. Il est parti pour rencontrer monsieur le prince saoudien, Mohamed Ben Salman. Et même Al-Burhan, lui aussi, il n'est pas ici au Soudan. Il est parti en Égypte pour rencontrer Fattah al-Sissi. Et ça nous pose en fait beaucoup de questions et que nous pouvons justement répondre de manière personnelle. Et je passe le micro pour mon ami Hassan, il va nous dire un peu de ses analyses, de ces deux visites qui sont incompréhensibles. Merci monsieur Gassim pour cette intervention. Comme vous savez que le président du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, est parti en Arabie Saoudite pour rencontrer le roi Al-Malik Salman, le roi Salman. Cette visite, c'était dans le cadre du sommet islamique, des leaders islamiques. Et par contre, le vice-président, il est aussi parti en Égypte pour visiter Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte. Et tous les deux, ça c'est leur première visite à l'étranger depuis le coup d'État d'avril dernier. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur ces deux visites. Nous voulons savoir c'était quoi le contenu, les buts derrière les deux visites. Sur la télé, la presse a expliqué que la visite du vice-président Ahmed Hamdan Dagalo, Hemeti, c'était dans le cadre de discuter les relations entre le Soudan et l'Arabie Saoudite, surtout sur le plan militaire. Vous savez que les forces d'intervention rapide soudanaises participent actuellement à la guerre du Yémen. Donc, ce qui
ce qui est une bonne raison de partir en Arabie Saoudite pour continuer la coordination et les discussions sur les processus et les opérations militaires. Par contre, Abdel Fattah el-Burhan, le président du Conseil militaire, il a rencontré aussi Abdel Fattah el-Sisi pour discuter l'avenir de la relation entre l'Égypte et le Soudan. Il y a en fait beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à discuter entre les deux pays, surtout la question de la frontière. Vous savez qu'il y a des problèmes, des tensions sur la région Halaib et Chalatine. Donc, mais on n'a pas encore appris ce qui s'est passé entre les deux présidents à travers une conférence de presse. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui la plupart des protestants et des manifestants se demandent. Ils veulent savoir pourquoi est-ce que cette visite et qu'est-ce qu'il a réalisé. Qu'est-ce qu'il a réalisé, Abdel Fattah el-Burhan. Je suis très content d'accueillir sur le plateau professeur Bakri de l'Université islamique d'Omdurman. Il va participer au débat aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Bakri. Bonsoir, monsieur Hassan, professeur. Bonsoir même à tous les participants, à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous regardent sur ce plateau, depuis ce plateau, et surtout la discussion qui s'anime en français est aussi destinée aux Soudanais et au monde francophone qui parle français, et aussi aux Soudanais qui sont à l'étranger. Si vous me permettez, je suis appauvri, je peux s'asseoir. Déjà, on sait bien que l'armée, quoi que ce soit ici au Soudan ou partout dans le monde, l'armée a une rôle précise à tenir, ça c'est de garder les frontières d'un pays, quoi qu'il soit. Prenons par exemple l'armée américaine qui est partout dans l'étendue. L'armée américaine, il est ici en Afrique, en Asie, en Europe, mais son rôle principal, ça c'est juste de garder les processus de paix et du maintien des sociétés. Mais c'est ce qu'il faut. Et les armées en Afrique, c'est inacceptable d'abord. Et en fait, l'armée soudanaise, c'est ce qu'elle a tenu à faire, de faire envoyer des soldats en Saoudite-Arabie pour participer dans la guerre du Yémen contre les Yéménites et les Houthis. Ça, c'est inacceptable. L'armée, ça c'est national, mais pas international. L'armée soudanaise doit être ici au Soudan pour, d'abord, pour sauver, protéger cette révolution qui a commencé en décembre dernier, je crois, le 19 décembre dernier. Et ça aussi de faire transférer le pouvoir des militaires aux civils. Déjà, un pouvoir militaire, c'est un pouvoir. Et c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, et ça, c'est le début d'une dictature qu'on ne peut pas affronter et faire face aux problèmes qu'ils font. Déjà, si on sait le problème de faire intervenir l'armée dans la politique, ça ne fait pas réussir l'armée, en fait, même pas. Et l'opération de faire répandre la paix, la prospérité, la stabilité, en fait. Si nous avons une armée politique, ça veut dire une dictature, un tyran. Une armée politique, ça ne peut pas répondre. Ça ne peut pas répondre au quoi ? Par exemple, nous avons vécu les frappes dans les dernières années, Masnaa Shifal, l'usine militaire de Yarmouk, et déjà à Port-Soudan, nous avons
reçu beaucoup de bombardements et des attaques, mais malheureusement parce que l'armée soudanaise est déjà une armée politique qui est menée par les gens du Congrès national. Nous n'avons pas répondu et toujours nous avons juste dit nous pouvons répondre, mais c'est pas comme ça et c'est pas maintenant et on sait bien comment on va répondre. Et là, ça nous pose en fait, ça posait. Et ça pose, ça posera des problèmes si nous avons une armée à la tête du pouvoir. Et maintenant, je passe peut-être le micro à M. Hassan qui va nous donner des points, bien des éclairages sur le pouvoir et la conduite de l'armée soudanaise sur cette période, le conseil militaire de transition mené par M. Dabotalvin. D'accord. D'abord, je crois que actuellement nous avons un problème au niveau de la structure de défense du pays, puisque nous avons l'armée soudanaise d'un côté et de l'autre côté nous avons la force d'intervention rapide présidée par le général Hemeti. Et nous savons que cette force d'intervention s'est formée et s'est construite de manière inofficielle, ce qui pose aujourd'hui beaucoup de questions. L'ancien président ou l'ex-président soudanais Omar al-Bashir, c'est lui qui a construit l'armée du Hemeti et c'était une force militaire qui a pour but de protéger le régime. Aujourd'hui, le régime a chuté, même si certains ne sont pas d'accord avec moi sur ce point. Mais comment peut-on mettre cette force d'intervention dans le système de l'armée soudanaise? Comment peut-on intégrer ou qu'est-ce qu'on doit faire avec cette force bien armée? Le deuxième point auquel je veux signaler, c'est en fait le rôle de l'armée soudanaise. Aujourd'hui, c'est, comme a dit M. Gassim, c'est de maintenir la paix dans le pays, c'est de protéger les frontières et c'est aussi de garantir la transition du pouvoir aux civils. Donc il y a trois choses qu'il faut faire, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Le conseil militaire n'a pas la bonne intention de continuer les négociations avec la force de la liberté et du changement. Donc les négociations ont cessé il y a une semaine et ils n'avancent pas. C'est pourquoi l'association des professionnels soudanais a annoncé qu'une grève sera faite à partir du mardi prochain. Ce sera pendant 2 jours, mardi et mercredi. Et c'est ce qui a aussi, c'est ce qui va être une introduction à une désobéissance civile la semaine prochaine. Les syndicats des travailleurs soudanais ont annoncé aussi le fait qu'ils sont prêts à faire la grève et qui sont toujours derrière l'association des professionnels soudanais et ils réclament la transition du pouvoir au civil. Donc la grève, ce sera mardi prochain. Et je pense que... Est-ce que... Là, j'ai une petite question à poser à M. Le Pri. Est-ce que vous pensez que la grève va réussir à arriver ou à atteindre ses fins? Donc, ça dépend d'abord des syndicats. La question qui se pose, sont-ils des syndicats efficaces dans la société, dans l'appareil étatique, dans l'appareil de l'État? Est-ce que cette grève va nuire vraiment aux intérêts de l'État ou pas? Si cette grève va nuire aux intérêts ou va arrêter l'appareil de l'État, pour un jour, et lui, on va récompenser, pas trop récompenser. On dirait des dommages
de rendre des dommages pour l'État ou pas. Mais je pense que cette grève ne sera pas tout à fait efficace. C'est pour des raisons, à mon avis, connues. La première raison, c'est-à-dire la première desquelles, c'est que cette l'inefficacité du syndicat des travailleurs et la suspension qui a été déjà levée par le conseil militaire, c'était comme un essai ou une tentative d'acheter la satisfaction des travailleurs. On connaît déjà ces fonctionnaires, ces personnels qui travaillent au cœur ou au sein de ces syndicats soudanais. Oui, j'ai vu autant de personnels, de fonctionnaires ont déjà avancé leur soutien à la grève qui va se tenir mardi prochain. Mais je doute de l'efficacité, de son efficacité. C'est ça. Oui, je suis pour une grève efficace et non inefficace. La grève réussira à condition que tout le monde s'engage. Le droit de la grève est de tout le monde. Je pense que c'est un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et comme ça, la grève va nous mener vers peut-être un nouveau début pour un nouveau Soudan. En fait. La grève, ça fait réussir des révolutions, et ça fait réussir des affaires, ça fait réussir des causes, des vraies causes même. Et ici, c'est une vraie cause. Vous avez une grève. Grève en français, grève. 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 Al-Idrab, la grève. La grève. La grève. La grève. La grève. La grève. Voilà, on parle français. La grève. Quel emploi. La grève. La grève. Et nous avons aussi encore beaucoup de problèmes, c'est ce qui concerne le conseil militaire de transition du Soudan. Les problèmes sont qu'au haut, ils suivent toujours la même politique du Congrès national, notamment l'OTAN, et ça nous pose beaucoup de problèmes pour toujours. On ne peut pas réussir si on adapte les mêmes politiques qui ont été appliquées par le Congrès national, c'est ce qui fait appliquer, comment on dit, c'est pour ceux qui vont et ceux qui attaquent, par exemple, les forces de liberté, etc., par exemple, disons, et les milices de l'ancien régime. Donc, si on veut faire réussir cette révolution, nous, de notre part, on peut la faire réussir, et c'est déjà réussi, mais de la part des militaires, c'est un peu difficile, mais quand même, ça ne nous empêche pas de continuer quand même, même si Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Miyad Sana, on est ici. Sabinahin, on est ici. Donc, pourquoi je dis l'inefficacité de la grève? Oui, les syndicats, les personnels et les fonctionnaires de l'appareil étatique pourraient faire ou réussir la grève, mais qui pourrait convaincre les messieurs, les marchands qui travaillent au marché, les conducteurs qui conduisent et qui ont le manipole du transport, qui pourrait convaincre ceux qui travaillent, ceux qui ont un travail artisanal, ceux qui ont un travail hors de l'appareil étatique, qui pourrait lui convaincre? C'est ça la question qui se pose. C'est une question prépondérante et aussi essentielle. C'est eux qui font réussir cette grève et pas seulement et non seulement l'appareil étatique du pays. Aussi, il y a des gens qui travaillent hors de cet appareil et il y a autant qui sont hors. Et aussi, la plupart des gens qui sont ici
ne travaillent pas au sein d'une appareil, au sein de l'appareil étatique. Alors, comment pourraient-ils faire réussir cette grève? C'est ça la question qui se pose. Pas tous les gens qui sont ici travaillent au sein de l'appareil étatique. Non. C'est ça. Donc là, j'ai une deuxième question à poser. Alors, si la grève n'a pas réussi à atteindre ses fins, comment vont se passer les choses? Je pose la question à M. Gassi. Désobéissance totale. C'est un madani. Si la grève n'est pas réussie, n'a pas réussi, on est grave managa. Forcément, il faut qu'une des deux réussira. Sinon, on va recommencer depuis le début. Depuis, c'est comme on était dans le décembre dernier. Nous avons vécu des difficultés et nous allons vivre encore des difficultés si la grève n'a pas réussi et la désobéissance aussi. Et ça, de notre part, comme je le dirai, ça va réussir, mais le problème, c'est le conseil militaire de transition, celui qui tient. Et il ne veut pas faire, par exemple, un accord final avec les forces de liberté qui ont commencé avec lui ou bien un accord depuis des mois. De leur part, ils ont réclamé qu'ils vont à un conseil de souveraineté qui est composé de 10 personnes. 7 personnes sont des civils et juste 3 personnes qui sont des militaires. Même les 3 personnes qui sont des militaires, qu'ils soient de l'armée soudanaise ou bien de la police, du service national du renseignement, de la sécurité, etc. C'est pas important, en fait, si on dit, si vous voyez tous les grands États, toutes les grandes puissances partout dans le monde, le Japon, la Chine, l'Allemagne, l'Amérique latine, et l'Amérique du Nord, le Canada, et même ici, en Afrique, nous avons par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud et Rwanda aussi. Là, le pouvoir n'est pas un pouvoir militaire, c'est un pouvoir civil, et ça, c'est ce qui fait réussir tout, ou bien presque toutes, les proclamations qui ont été réclamées par ceux qui ont commencé une révolution, considérons qu'on la soudanaise. Et pour faire réussir aussi la révolution de la part de l'armée ou bien du conseil militaire de transition, il faut que le leader, le chef du conseil et le vice, qu'il soit national, on le répète, et qu'il considère les gens qui ont descendu dans les rues depuis des mois, et ils continuent de vivre dans les rues sous la chaleur, le mois de Ramadan, etc. Et de ne pas garder, de porter très attention, bien beaucoup d'attention sur les interventions étrangères, et nous le savons bien, les interventions régionales qui viennent de la partie de la Saoudite Arabie, ou du Qatar, ou des Émirats Arabes Unis, et même de l'Égypte aussi. Pour nous, en tant que professeurs de français, et même vous aussi, éventuellement vous allez parler français, et pour tous les Soudanais, un pouvoir civil et des élections présidentielles. Là, le conseil militaire de transition, il a dit dans les derniers jours, lorsqu'il a suspendu les communications ou bien les accords qui ont été commencés par les leaders, les professionnels soudanais, pour les faire réussir. Qu'est-ce qu'on doit faire, M. Hassan? En fait, je crois que aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis à surmonter. En fait, la question du,
de la grève et la question de la désobéissance civile, je pense que ça, c'est une carte de pression de la part de la liberté, le mouvement de la liberté du changement. Mais j'ai là des questions à se poser, en fait. Est-ce que la grève est une solution pour la crise actuelle du pays? Est-ce que la désobéissance civile pourrait mettre fin aux problèmes de négociation, ou il faut encore proposer d'autres solutions à part la grève et la désobéissance civile? Pour moi, déjà, il ne fallait même pas une grève ou une désobéissance. Vous savez pourquoi? Si notre conseil militaire de transition, le Majlis al-Soudan, le Majlis al-Askari al-Intégral, c'est un conseil national et qui sont soucis vraiment sur l'affaire soudanaise. Nous n'avons pas besoin de faire une grève, une désobéissance, etc. etc. Donc, on passe maintenant à M. Bakri, va nous encore nous éclairer un peu sur ce point. Ok, la grève, c'est l'un des outils, des moyens de maintenir la pression sur le conseil militaire. Et pour maintenir la pression sur le conseil, il faut des outils et des moyens, par exemple comme la grève et comme d'autres solutions qui sont comme des choix multiples, l'un desquels c'est la grève. Le conseil militaire, maintenant nous avons vu ces deux jours passés qui viennent de passer deux visites, l'une en destination en Arabie Saoudite et l'autre aux Émirats Arabes Unis. Là, on comprend une chose. On est avec quel camp? On est avec le camp des États-Unis d'Amérique, le camp de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, soutenu fortement par les États-Unis d'Amérique. On comprend? Surtout l'Égypte, qui est un médiateur entre ces deux États, ces deux pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le Conseil militaire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à une légitimation qui lui permettrait d'avoir accès à un pouvoir, d'avoir accès à des négociations avec d'autres forces politiques. Il sait très bien que les négociations avec l'Alliance pour la liberté et pour le changement se sont volées dans l'impasse. C'est ça, maintenant, le Conseil militaire cherche à d'autres moyens, d'autres portes qui pourraient lui permettre d'avoir accès à une légitimation. Et je pense que cette légitimation ne passe que de la volonté du peuple. Et le peuple veut que cette période transitoire soit dirigée par des civils. Mais ces derniers, est-ce qu'ils sont en accord entre les uns les autres ou pas? S'il y a des problèmes maintenant, comme nous le voyons et nous le savons très bien, que le Conseil militaire joue sur les divisions internes entre les forces politiques, surtout entre les composantes de l'Alliance pour la liberté et le changement. Il y a la Belle du Soudan, c'est-à-dire Nida Soudan, il y a les forces du consensus national, et il y a aussi la SPA, l'Association des professionnels soudanais. Et la grande partie, c'est la Belle du Soudan, Nida Soudan.
qui inclut le parti Oma. C'est un parti qui a une base populaire très vaste, très vaste, très connue, autant d'autant plus que ce parti politique a des aperçus sectaires depuis la révolution mahdite. C'est ça. Le parti Oma a un incubateur social très grand par rapport aux autres, par rapport aux autres civils, par rapport aux autres partis politiques. C'est ça. Moi, ce dont j'ai peur qu'il y ait des problèmes et qu'il y ait des divisions internes entre les forces politiques. C'est ça ce qui a fait disparaître l'espoir du peuple soudanais. Et la question reste toujours sa réponse si la grève n'est pas réussie. Le Olivera Manager, hein, la question reste toujours ouverte, nous n'avons pas de réponse. Peut-être les Soudanais vont créer un nouveau mécanisme pour la transition du pouvoir. Le Olivera Manager, c'est un manager. Les Soudanais sont en train de se faire en train de se faire en train de se. Si la grève et les désobéissances ne sont pas réussies, hein? Et votre question est toujours ouverte. Hein? Alors je rappelle tous les présents et ceux qui nous suivent en direct de poser ou de laisser vos questions et vos commentaires sur la page Facebook de l'Association des chercheurs soudanais. Nous sommes toujours ici pour répondre à vos questions. Comme on dit ici, comme tout le monde le répète, si le régime a chuté ou qu'il n'a pas chuté, nous allons rester ici pour jamais. Donc on n'ira jamais ailleurs, nous restons ici. طيب الحضور الكريم زي ما وعدناكم انه نواصل برنامج التعليم للغه الفرنسيه ولكل الناس اللي حابين يتعلموا اللغه الفرنسيه او يمارسوا اللغه الفرنسيه. فبنشكر كثير استاذ بدري واستاذ قاسم على مداخلاتهم الرائعه اليوم. وليهم التحيه يا شباب، صفقه قويه لهم. طيب الناس اللي بتابعونا اونلاين في زول عنده سؤال ممكن يخلينا في التعليقات، انا حاشوف بعد شويه تعليقات واطرح الاسئله على الناس الموجودين بالفرنسيه او بالعربيه زي ما حابين. Nous continuons la deuxième partie de notre initiative. Nous proposons en fait des cours de français pour les débutants, pour ceux qui ne parlent pas français mais qui ont envie d'apprendre ces belles langues. Je vous invite tous à participer, à venir nombreux sur le plateau des chercheurs soudanais. Et nous avons des professeurs très professionnels. Je vous assure que vous n'allez pas avoir des problèmes pendant les cours de français ici. طيب يا شباب احنا برضو عندنا مبادره بتاع التعليم للغه الفرنسيه للناس الراغبين، فبعد شويه حنبدا بتعابير بسيطه شديد. هو معانا استاذ اللي برضو مفترض كانت تكون معانا بس اعتذرت، لكن نوعدكم انه الليله فعليا حنبدا المحاضرات والناس الراغبين ممكن يجوا، وممكن يجي واحد من الناس الحاضرين ونوريه حاجات بسيطه باللغه الفرنسيه وممكن يتعلمها. فواحد يجي يرفع يده. تفضل. طيب بونسوار. بونسوار. Vous parlez français? لا لا ما بعرف. لا يعني صراحة يعني ردوا على التحايا كان بطريقة بتوحي انه بيعرف لغة فرنسية. طيب ممكن تورينا الحياة اللي بتعرفها بالفرنسي شنو؟ زي بونجو وثاني زي بوسوا بس خلاص. طيب كثير يا جماعه، صفقه له كبيره، صفقه للشباب من الداخل. طيب تعال خليك قريب، تعال خليك قريب. طيب الناس اللي قاعدين اذا في زول بيتكلم فرنسي او بيعرف حاجه بالفرنسي ممكن يورينا هو بيعرف شنو؟ تفضل. والله
Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Moi, étudiant à Gordon Université. Moi, chez nous, allez. Qu'est-ce que tu sais? تحية لي يا جماعة. هتكلم طبعا بالعربي. أنا أعتقد إنه المبادرة هو مكان الاعتصام أصبح مكان تنفيذ اجتماعي. وظهرت فيه مبادرات عديدة وظهرت فيه دوافع ما شاء الله مديدة وأظن يعني تمتد وجاء من بحر دافق أو نهر دافق وأكيد نهر العزيمة وتأكد لنا ذلك جدا يعني من بداية الثورة وأرضية الاعتصام هي كانت الشاهد هي كانت شاهد على ما حصل شاهد على ما ستكون شاهد أرضية الاعتصام فأنا سعيد جدا إنه لقينا مكان نقدر فيه نوري منصة منا تنطلق آرانا وأفكارنا وتعبيراتنا حول ما يجري في الساحة السودانية سواء كان هذا بالنشر للعالم الخارجي وبرضو في السودانيين بيتكلموا اللغة الفرنسية وهم قاعدين في الخارج ودارين يعرفوا ماذا يحصل في الداخل السوداني كذلك برضو في ناس بيتكلموا اللغة الفرنسية دارين يعرفوا يعني احنا دارين نربط السودان بالعالم الافريقي اولا وثم بقية الارجاء المعمورة فدي شيء مطلوب بشدة يعني وخصوصا يعني تعلم اللغات ده حاجة يعني بكل صراحة بتضيف لرصيدك المعرفي ورصيدك الفكري ورصيدك اللغوي وكل ما اتسعت مقدرتك على تعلم اللغات كل ما اتسعت مقدرتك على انك تستوعب معارف من لغات اخرى بطريقة غير مباشرة او بطريقة مباشرة اذا اردت ذلك انت لما تتعلم لغة هو بالضروري حتتعلم الفكر بتاع اللغة هما متلازمتان صفتان متلازمتان الفكر واللغة يعني كل ما تطورت لغتك كل ما تطور فكرك فدي شيء مطلوب جدا يعني في لأي شخص هو يريد أن يتعلم لغة أجنبية وأنا عرفت اللغة العربية يعني من خلال اللغة الفرنسية ما من خلال العربية مثلا العطب في عطب حاصل في النظام التعليمي بتاع اللغة العربية يعني من الأساس والثانوي لما تعلمت منهج أجنبي اضطريت إن أنا أعرف ما يوازي المنهج الأجنبي باللغة العربية في الغواميس طيب مداخلة بسيطة للإجابة على بعض الأسئلة المطروحة كانت في الكومنتات على تحت الصفحة ويد محمد pose la question de savoir si on a réussi à transférer le pouvoir aux civils et si le Soudan est effectivement devenu un pays démocratique. Est-ce que l'identité du Soudan sera une identité africaine ou une identité arabe? Est-ce que le Soudan sera un pays arabe, toujours avec en alliance avec les pays du monde arabe, ou est-ce que le Soudan sera toujours représenté comme un pays africain? Voilà, ça c'est une bonne question à poser à monsieur Bakri. طيب التجربة تحت السؤال انه اذا نجح السودان في انه يتحول لمرحلة ديمقراطية هل السودان حيظل بلد عربي ولا حيكون عنده هوية افريقية فسؤال عن هوية السودان ما بعد الثورة السودانية او بعد نجاح الثورة السودانية donc la question est à vous. Donc la question de l'identité soudanaise ne devrait pas dire voilà vous êtes arabe ou vous êtes africain. Non, il faut dire que par exemple un gâteau. Quels sont les composants de ce gâteau? De la farine, du sucre, de tout. Alors le Soudan n'est pas une seule nation, c'est un ensemble de nations et qui se sont réunies au bon gré, au gré du temps.
dans une terre, sur une terre qu'on appelle Soudan. Alors l'identité soudanaise ne se compartimente pas. L'identité soudanaise, c'est l'identité arabe, c'est l'identité africaine, c'est l'identité soudanaise, c'est toutes les ethnies, l'ensemble de toutes les ethnies qui se trouvent au Soudan. L'ethnie nubienne, l'ethnie arabe, l'ethnie du Darfour, l'ethnie du Nil Bleu, toutes ces ethnies, toutes ces tribus se sont réunies au Bangrès, se sont réunies sur une terre soudanaise qu'on appelle Soudan, et nous devons reconnaître que notre identité est une identité soudanaise et composée de toutes ces ethnies, et non un pays arabe, non un pays africain. On devrait avoir des intérêts communs avec les pays du Golfe, avec les pays du monde arabe, et ainsi avec les pays africains. Sans poser la question de l'identité, nous avons une identité, celle de l'Afrique. Nous sommes sur le continent africain. Mais à l'intérieur de ce pays, combien d'ethnies, combien de tribus qui sont là et sont nombreuses? On ne devrait pas éliminer celle-ci au profit de l'autre. Non. On devrait reconnaître toutes ces ethnies. كان الإجابة لسؤالك عن الهوية السودانية ستظل الهوية السودانية عربية باللغة إفريقية بالدم وبالموقع وما إن في سنيات وعرقيات عديدة جدا في السودان ما عندنا هوية معينة نحن ما بنقدر نقول إحنا فارغة أو نحن عرب أو غيره هويتنا هوية متعددة ونرجع لقصتنا بتاعت الليلة بتاعت الفرنسي ده كان سؤالي طرح في اللايف من المجموعة بتاعت الباحثين السودانيين ودي كانت إجابة له طيب دارين نتعلم حبة بتاعت فرنسا كده مجرد ما تصحى الصباح بدري حتقول شنو ناس البيت ما يا سيدي تاني بقول بونجور قول شنو صحينا الصباح بدري بونجور طيب جيت ماشي مثلا لقيت صاحبي مثلا اقول له بونجور بونجور مون امي بونجور مون امي بونجور مون امي يعني يا صديقي بونجور مون امي طيب جيت الكلاس انا حد ندي الشاب اللي بيتكلم فرنسي ده يكرر لنا بونجور مون امي Lui, il parle français. Il parle français. Je veux dire. Qui est dans la madrasa, ou qui est à Jama, ou soit côté ustaz, mouazzaf, ou autre. Qui est le guide, qui est à Jama, ou t'as bonjour, d'ailleurs, tu voulais me kiff à l'hal. Bonjour. Bonjour. Mais qu'on va s'attaquer le matin, ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Ça va. Ou les gars, tu vas ça va, ça va? Zaid, tamam? Tamam. D'accord? D'accord, Yannick. D'accord. Ok. D'accord. Taïb. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va. Au moment qui me traite de rassembler, joyeux, comment allez-vous? 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 Ça va? Yes. Ça va? Voilà. لما تطرح على زوج سؤال عن كيف هو بيقول له سافا واحد يرد عليك بيقول له شنو سافا سافا كيف الحال تمام طيب nous continuons le débat en français nous avons un intervenant qui voudrait poser une question en français je passe le micro à monsieur bonsoir à tous merci beaucoup monsieur Hassan monsieur Aboukar tout le monde ici. Je suis très heureux d'être parmi vous aussi et partager cette session. La première question, c'est concernant les points de vue que Aboukar a dit. C'est la question de l'identité. Aboukar, il a dit que nous ne sommes pas arabes ni africains. Mais nous sommes africains et arabes en même temps. Mais la chose est très claire. La plupart des gens ici, au Soudan ici, nous sommes africains.
La plupart des tribus ici sont africains. On ne peut pas ignorer et on dit que nous sommes arabes par la langue. Pour moi, par exemple, j'ai appris l'arabe après j'ai commencé l'école. Et la plupart des gens, comme une Dafour, comme une montagne de Nouba, comme de d'autre part de Soudan. Et la deuxième question concernant l'apprentissage de langue, c'est quoi? Quand on veut apprendre une langue étrangère, on a besoin de quoi? D'ambiance pour pratiquer. Sans pratique, c'est impossible pour acquérir, pour progresser, pour améliorer la langue. Pour ça, par exemple, la langue française, il n'y a pas beaucoup de place pour pratiquer ici. Sauf le CCF, et je pense qu'il y a quelques places. Bon, pour moi, je voudrais répondre en bref à cette question de savoir si le Soudan est un pays ou sera un pays africain ou un pays arabe après la révolution. Moi, je pense que si nous avons réussi à devenir un pays démocratique, la démocratie pourrait respecter notre diversité culturelle, ethnique. Donc, on va... Normalement, quand on est dans un pays démocratique, on respecte la différence, on respecte la culture de l'autre, on respecte sa couleur de peau, on respecte sa religion, on respecte sa race, on respecte son ethnie. Donc, cette question, quand on est dans un vrai pays démocratique, n'aura pas de sens. Parce que la démocratie, c'est en fait c'est la séparation de cette pensée, la séparation du racisme. La démocratie, c'est le fait de dire au revoir au racisme. Taïb, vous voulez intervenir? Je pense qu'on est arrivé à la fin du globe. Oui. Bon, nos chers frères et sœurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous sommes arrivés à la fin de la séance de ce dimanche. Et nous vous promettons de continuer nos discussions en français. Donc, شكرًا الناس اللي بتابعونا وشكر الحاضرين معنا. شكرًا على مداخلاتكم وعلى أسئلتكم الرائعة. ونريدكم إنه نكون معكم دائمًا في تواصل وإلى لقاء قريب. لكم التحية شباب. شكرًا كمان لأستاذ.